Bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Captain Black pour la chaîne Extérieur Pro. On se trouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un petit peu particulière. Pas vraiment, mais une vidéo où je ne suis pas du tout dans un environnement habituel pour vous. Puisqu'aujourd'hui, pour ceux qui me suivent un peu sur les réseaux sociaux, si vous me suivez déjà pas, vous pouvez aller me rejoindre sur Twitter ou sur Facebook. Donc j'avais prévenu que je partirais dans les Vosges. Enfin, je suis entre les Vosges et l'Alsace en fait, on n'est plus dans les Vosges. Et je tenais absolument à vous faire une vidéo sur ces points, un petit peu les points particuliers où j'aime venir ici. Parce que c'est une région que j'aime beaucoup. Et voilà, je voulais vous faire partager un petit peu avec moi cette région magnifique. Puisque c'est vraiment quelque chose que j'aime, on est entre la forêt, les lacs et tout ça. Donc voilà, j'avais vraiment envie de vous montrer aujourd'hui. Je dois t'en laisser rapidement parce qu'on part dans pas très longtemps. Donc je vais essayer de me dépêcher de passer sur les points les plus vitales où j'aime passer le plus quoi. On va essayer de trouver un endroit pour discuter. Donc voilà, normalement cette vidéo, je vais essayer de la sortir lundi, et si elle sort pas lundi, elle sortira mardi, et si elle sort pas mardi, elle sortira mercredi. Donc voilà, donc là on est sur une voie verte, on va juste s'arrêter sur le fond là-bas. Là c'est un arboretum, là c'est... y a plein d'arbres différents avec des indications et tout ça. Donc alors, on va s'arrêter là. Alors, donc aujourd'hui on va essayer de passer, il y aura beaucoup d'accélérés. Là par exemple pour venir ici j'aurais filmé mais ça sera juste en accéléré. Donc voilà, donc je vais essayer de vous faire passer aux points les plus importants. Et puis je vous retrouve dans une descente que j'aime beaucoup. Allez, à tout à l'heure. Je vais vous montrer un truc un peu particulier. Âme sensible, s'abstenir. J'espère que vous ayez bien vu. Bon écoutez, on est parti pour une descente. Comme d'hab, j'ai arrêté de parler et je reprendrai après. Voilà, petite descente. Bon. Voilà, moi je sais pas si ça vous plaît, mais moi c'est vraiment une région que j'aime beaucoup ici. Je trouve vraiment qu'on est en pleine nature et ça c'est ça qui c'est ce qui me plaît. Donc là ce qu'on va faire c'est que je vais vous amener Oh putain, je suis essoufflé. Je vais vous amener dans un lac, enfin dans un lac, vers un lac. Waouh, je suis fatigué là. Et une fois qu'on sera au lac, je vous retrouve après.
On se trouve au lac. Bon, là, il faut savoir que c'est vide, hein. Mais en été, c'est blindé. Là, par contre, c'est vraiment étrange parce que vraiment personne. Mais il faut savoir que d'habitude, sur ce lac, là, il y a toujours plein de canoës-kayaks parce que juste à côté, il loue des canoës, etc. Plein de trucs. Et donc, en été, c'est blindé de partout. La plage en face, là-bas, il y a toujours du monde. Toujours. Voilà, je voulais vous montrer ce lac qui est vraiment très sympa. Bon, là, étant donné qu'on est en décembre, là, vous pouvez vous douter qu'il n'y a pas grand monde. Mais je vous dis, d'habitude, c'est blindé de chez blindé. Donc, là, à côté, je vais faire le sens inverse pour retourner à un petit endroit. Un petit endroit tout simple, mais où j'aime bien passer. Je suis toujours limite niveau time. Pardon. Donc je dois me dépêcher un petit peu. Et puis je reprendrai une fois qu'on sera arrivé au bout de la piste cyclable. A tout de suite. Ok, on se retrouve au bout de la piste cyclable. Je vous amène ici parce que j'aime beaucoup cet endroit. Notamment ce petit passage là. Entre les maisons. En tout cas, j'espère que cette petite balade vous aura plu. C'est une petite balade que je fais comme ça sur le pouce. Pour vous, ce sera court, mais pour moi, j'aurai des très 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 longs montages. Enfin, j'aurai un très long montage à faire. Waouh! C'est vraiment très très calme. Hein. C'est pas une petite voiture qui passe de temps en temps. Donc on va prendre par là. Donc voilà, en tout cas j'espère que ça vous fera plaisir, une petite promenade comme ça un dimanche. C'est un peu moins trash que le VTT, mais bon, ça fait très bien. Attendez, parce qu'il faut que je me rappelle où est le passage ici, je sais jamais où il est. Ah si, c'est là, excusez-moi. Voilà, c'est là. C'est un total de petites rues, hein. Si vous connaissez pas, vous êtes un peu paumé. Je parle pas beaucoup, mais c'est parce que je me concentre tout simplement sur le vélo. Je prends par là, comme ça je vous montre un petit passage. C'est pas là. Si, c'est là. Hop là. On le sait, je ne respecte pas forcément les limites de vitesse. Hein. Le code de la route. Bah les steaks. Aujourd'hui, pour ceux qui se demandent, je suis avec un vélo tout simple. Hein, j'essaierai de vous montrer. Bah. Je vais en avoir un petit aperçu là. Vélo vraiment tout simple. Je peux pas amener mon VTT, hein, ce serait trop beau. Ah non, attendez, parce que. Voilà. Petite descente là. Petite accélération. Et on freine. Carrément dégueulasse. Ah. Voilà. Ah. Oui, mais à côté, je pense qu'on va pouvoir conclure la vidéo ici.
Attendez, je suis en train de trouver un endroit où on pourrait. Ouais, on va la conclure ici. Hop là. Alors. Voilà, donc je le redis, mais j'espère que cette petite balade vous aura plu. Moi, j'ai pas mal apprécié, voilà. Je tenais vraiment à vous faire découvrir cette région que j'aime beaucoup. En attendant, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à laisser un commentaire et à vous abonner. À me joindre sur Facebook, Twitter, le blabla habituel. Quant à moi, parce que je ne sais pas si je referai de nouvelles vidéos d'ici là. Donc, quant à moi, je vous souhaite un très joli Noël. Très bonne fête en famille ou pas en famille. Et un très bon réveillon aussi, parce que je pense pas que je ferai de vidéo d'ici là. Et voilà, donc très joyeux Noël, passez de très bonnes fêtes, une très bonne année 2016. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous très prochainement, enfin très prochainement, dans quelques temps, pour une nouvelle vidéo en extérieur. C'était Captain Black pour la chaîne Extérieur Pro. Quant à moi, je vous dis à plus tard. Allez, bye tout le monde.